Bonjour tout le monde, en ce week-end de Pâques, je vous montre comment réaliser un petit lapin et son œuf. Pour cela, vous aurez besoin de Fimosoft chocolat, de rose, de blanc, de noir, d'une lame, d'un clou à œil et d'une pince coupante. On commence par former une boule de Fimo chocolat et on la roule pour obtenir un cylindre. On prend une autre boule pour la tête. On prend le clou et on le coupe en deux. On va se servir de la tige pour consolider le corps du lapin à sa tête. On fait deux petits cylindres identiques qu'on aplatit. Et on vient les placer sur le bas du corps pour former les pattes arrière. Avec de la Fimo blanche, on forme le blanc des yeux et les dents. Et avec du rose, on fait le nez et les petites joues. Pour les oreilles, on roule deux petits boudins aux extrémités pointues. On les aplatit légèrement. Et on fait l'intérieur avec du rose en procédant de la même façon. On place les oreilles sur la tête du lapin. Et ensuite, on vient faire le petit œuf qu'il tient entre ses mains. Vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. On roule deux fins boudins de Fimo chocolat pour les bras, qu'on place de part et d'autre de son corps. Et on lui place l'œuf entre les mains. On lui place les pupilles noires. Et pour terminer, on plante le clou à œil et on enfourne à 110 degrés pendant 30 minutes dans un four traditionnel. Et voilà! Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo ci-dessous. À bientôt!